Allez. On va y avoir droit, les gars. Yo les gars, c'est Susuk, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends. Aujourd'hui la vidéo sera consacrée au nouveau Végéto Free to Play que tu peux aller récupérer et farmer actuellement depuis l'arrivée de l'anniversaire, tout simplement la célébration de l'anniversaire de Dragon Ball Legends. Tu vas pouvoir le monter jusqu'aux 2 étoiles. Je vous rappelle qu'on peut passer aussi le level de 2000 à 3000 désormais, mais qu'en PVP, on sera tous rétrogradés à 2000, en tout cas pour cette saison. On va tester aussi en même temps l'espèce de team fusion qui est pour l'instant proposée, puisqu'il nous faudra attendre en tous les cas le Végéto SSJ pour vraiment commencer à avoir une team fusion vraiment strong. Et on va voir tout cela ensemble, évidemment. Avant qu'on parte en PVP tester tout cela, on va lire ensemble ce que fait ce petit Végéto Free-to-Play qui est parking rouge de type défense. 1 244 000 de force, je vous rappelle que c'est dû au fait qu'on soit passé au level 3000. 109 000 d'attaque physique, 111 000 d'attaque d'énergie, 82 000 d'attaque physique, 83 000 d'attaque d'énergie, critique 3.0, vitesse de régénération de ki 2.4, Saga Z, Boo, Strike, Blast, Saiyan, Guerrier Fusionné, Potala. Au niveau de César, rien à signaler en physique et énergie. Big Bang Kamehameha lorsque l'attaque touche l'adversaire détruit aléatoirement deux de ses attaques. Décharge de ki régénère le ki de 40, soigne les altérations d'état. Au niveau de sa principale, c'est un heal de 25% et relève interdite à tous les ennemis pendant 10 secondes. Boost de 17% la défense d'énergie de base des classes guerriers fusionnés pour la capacité Z. Son spécial, les effets suivants s'activent pendant les 30 premières secondes sur le compteur de combat, régénère de 20% les dégâts subis après une attaque ennemie, réduit de 5 le coût des arts d'énergie et physique. Ça y est, je suis chaud. Les effets suivants s'activent 30 secondes après le début du combat, augmentent de 30% les dégâts infligés, augmentent de 1 le rang de pioche de cartes d'art et augmentent de 35% la vitesse de récupération de ki. Donc un personnage qui a une fiche extrêmement propre et qu'on va pouvoir voir un petit peu ce qu'il nous donne tout simplement en PVP. Je vous rappelle, pour ceux que ça intéresse, que le petit Végéto est évidemment maxé dans l'arbre, comme tu peux le constater ici, et qu'on va certainement partir avec aussi le frérot, son frérot à côté, Gogeta DBS, lui aussi maxé dans l'arbre, sachant que dans tous les cas, après, c'est rétrogradé à 2000, donc voilà, et probablement en troisième, on va partir avec le petit Gotenks free to play aussi. Enfin, après, ça dépendra de la team en face, mais on va voir ce que tout cela donne. Sur ce, on est parti, let's go, match classé, on lance et on va voir ce que ça donne cette petite team et surtout ce Végéto Free-to-Play qui est en tout cas super stylé. D'ailleurs, soit au début de cette vidéo, soit à la fin, je te montrerai certainement via le montage, via la magie du montage, eh bien le Legendary Finish du nouveau Végéto qui va arriver ou qui est peut-être déjà arrivé au moment où tu vois la vidéo, que tu peux récupérer dans l'émission en fait, tu peux jouer contre lui, il te le fait si tu crèves. Donc tu vas voir, c'est assez insane pour le coup. Et tu me diras ce que t'en penses dans l'espace commentaire, évidemment. Donc on joue une team similaire à la nôtre, sauf qu'il y a le Goku GT qui est présent à la place du Gogeta DBS. Pourquoi pas? Et lui, il a mis Raditz plutôt que le Goku SSJ3. Ça se tient aussi, ça se tient aussi. En tout cas, nous, ce que nous allons faire, c'est qu'on va start probablement avec le Gogeta DBS. On va mettre le Végéto à côté. Et en troisième, je me tâte. Je pense qu'en troisième, on va mettre le Gotenks vert. Je pense qu'on va mettre le Gotenks vert en troisième. On va mettre le Gotenks vert. Allez, on va voir ce que ça donne. On part comme ça. Et on va voir. Je vous rappelle que le gameplay a totalement changé. Les strikes cancel ne fonctionnent plus comme avant. Les blasts cancel toujours. Mais avec des changements, il y a aussi le tackle qui a fait son apparition. Bref, le gameplay n'est plus du tout le même. Donc ça va être très compliqué. Ça l'est globalement pour tout le monde. Donc je vais extrêmement galérer dans cette vidéo pour faire des games corrects. Mais bon, il faut apprendre à jouer. C'est un nouveau système. Donc ça va être très 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 compliqué les premiers jours en tout cas. On va voir ce que ça donne sur cette game. Allez, let's go. Là, il faut savoir que je ne peux pas strike cancel. Ça ne marche plus là, ça ne marche plus en tout cas. Hop là, la petite single tap qui elle par contre
continue à passer, évidemment, hein. Ça, ça fait plaisir. Merde, j'ai mis du temps. C'est ma faute. Fuck. J'ai fail. Putain, dommage, j'avais l'avantage, j'ai déconné de ouf. On va lui mettre le Gotenks en face. Par contre, ça lag, hein. Évidemment, ça n'a pas changé. On a des lags. Ok, il passe en SIJ instant. Pourquoi pas, il va récupérer du coup du... On va double switch, on peut pas. Hop, single tap. Et la single tap qui est passée. Ok, le Végéto qui va pouvoir taper, les gars. Je vous rappelle que le Végéto, là, quand on va lui mettre l'attaque à 50, il va lui destroy deux cartes, tout simplement. Et nous, on va switch sur le petit Gogeta DBS. Là, normalement, c'est inesquivable. Ah non, il peut peut-être faire le... Oh, ça lag de ouf, putain. C'est pas permis de laguer comme ça, les amis. Ah, ça, par contre, c'est donné. Ça, par contre, c'est donné. C'est le Rising Rush qui part sur son Gogeta instant. Ah bon, bah, voilà. On a le choix, le Rising Rush n'a pas bougé à part à un certain point dont je vous parlais tout à l'heure, mais sinon rien n'a bougé. Par contre, on s'est pas fait trouver notre Rising Rush, et ça c'est un bon point, ça me fait grand plaisir en tout cas. Nous avons vraiment au plaisir. Dites-moi ce que vous pensez un petit peu pour l'instant de ce qui a été apporté pour cette nouvelle, pour cet anniversaire de Dragon Ball Legend. Est-ce que vous êtes satisfait ou pas? J'attends vos avis à vous dans l'espace commentaire. Ça peut être très intéressant. Alors il faut savoir aussi que il y a un nouveau mécanisme qui fait que quand tu recules et que tu restes en fond de map, eh bien, tu ne peux tout simplement plus... Merde, ça c'était un mauvais move, c'est sucre. Tu ne peux tout simplement plus attendre comme ça et récupérer ton ki, puisque au bout d'un moment, ta jauge, au contraire, elle descend et tu ne peux plus esquiver. Donc tu ne récupères pas ton esquive, au contraire. Au contraire, elle s'allonge. Allez, on va blast. On va blast cancel, ça passera pas parce qu'il l'a fait au bon moment, bien joué à lui. Bien joué à lui. On va prendre la carte verte. Dommage parce que du coup mon Végéto va clamser. On n'aura pas pu trop jouer avec lui. Bah tiens, au début vite fait, mais bon, j'ai vu que j'ai loupé un sidestep. Alors moi je trouve que le gameplay est beaucoup plus lourd. Regardez, hop. Regardez ce qu'on est en train de faire là. On a fait le coup d'épaule justement. À mid-range, le coup d'épaule est parti. Comme t'as pu le constater. Alors là, il y a des chances qu'il nous mette son... Oh, ça lag de ouf. Les amis. On va se heal. Là, on a relève interdite, dans tous les cas. Ok, j'ai pas pu... Ok, on va lui mettre le Gogeta, du coup, maintenant. On va lui mettre le Gogeta, tranquillou. Ça devrait le faire. Oula. Ça, c'est une erreur, ça, mon ami. C'était une erreur, ça, mon ami. Ton Gotenks est terminado. Ah, ça passe pas. Dommage, c'est pas grave. De toute façon, on a gagné. On a gagné la game, anyway. Ah, bah là, forcément, si tu me laisses ça en plus, gros, là, c'est encore plus cadeau. Voilà, là, je fais du moonwalk, les gars. Je fais du moonwalk sur... Oh, merde, putain, c'est à 50. Damn, j'avais pas assez. Tant pis. Je vais pas lui mettre le Rising Rush. Il recule. Ok. Allez, écoute, on va le terminer comme ça. Normalement, il va die. Putain, il meurt pas. Hein, incroyable. Hein. Pas beaucoup de dommages, le Gotenks vert. T'es sérieux? Il meurt toujours pas, gros? Bon, là, il est mort. Et là, il est mort, du coup. Première game. Petite victoire. Comme tu peux le voir, vraiment, c'est pas facile à se mettre dans le nouveau gameplay. En plus, là, le mec en face laguait comme Jaja. Donc, c'était encore plus compliqué pour le coup. Sachez qu'aussi, on a un nouvel item super intéressant à récupérer en PVP, les gars. Donc voilà. En plus, c'est la petite icône avec Goku et Vegeta du film DBS Broly. Donc, c'est l'e-sport, c'est beau. On va relancer une game pour essayer de pouvoir jouer un peu plus avec le Végéto, mais la game d'avant ne nous a pas permis cela, malheureusement. En espérant que ça lague moins sur la game qui arrive. Alors, je pense que je vais peut-être mettre le Goku GT à la place du Gotenks aussi. Je vais peut-être faire une Team Saiyan, en fait, tout simplement. Et non pas Fusion, parce que de toute façon, le Gogeta et le Gotenks, on va jamais les jouer. Pourquoi plutôt s'orienter sur une team Saiyan? On verra avec le Végéto et SJ comment ça va s'orienter aussi. Mais pourquoi pas. Bon, pour l'instant, a priori, on galère à trouver le match. Ah, ça y est, on a trouvé. On a trouvé Team Family Goku à l'ancienne. Enfin, à l'ancienne. Pas vraiment à l'ancienne, mais bon. On va prendre ça et on va prendre...
On prend le Gotenks parce que là on aura le Gohan en de type bleu qui pourra nous qu'on pourra counter. Donc on va prendre le Gotenks vert. De toute façon là on est sur 3 fusions basse forme hein. Le Gogeta basse forme, le Végéto basse forme et le Gotenks basse forme. Bon, il y a Gogeta qui se transforme, certes, mais on est sur de la fusion base forme là les amis. Attention, incroyable. Face à Blazers, on va tenter de faire le maximum en espérant que ça ne lag pas beaucoup sur ce game comparé à l'autre qui a été quand même assez dur au niveau des lags, je te le cache pas. Allez, c'est parti. Allons-y, let's go. C'est parti les amis. On va essayer de faire le taf. Alors là vraiment ce qui m'énerve c'est que je ne peux plus Ok, bien joué. Il a pris l'avantage, on va lui mettre Végéto. Ça va bien tanker, ça va switcher sur le Gohan. Mais ça lag encore hein. Ça lag encore malheureusement énormément. Alors je suis pas sûr que ça vienne de mes adversaires. Je suis pas sûr que ça vienne de mes adversaires les gars. Ah si, ça a l'air de venir de chez lui. Hein. Oh non. Dites-moi si vos parties sont autant injouables que les deux miennes qu'on vient d'avoir là. Parce que là, vraiment, pour le coup, c'est vraiment très compliqué de jouer ici, là, dans ces conditions. Je sais même pas si je galère à sidestep, forcément. Alors, j'ai l'impression que qu'il est pas très bien lui non plus, mais bon. Je sais pas ce qu'il fait gros. Je sais vraiment pas ce qu'il fait. On va utiliser la carte verte. Oh putain, j'ai mis trop de temps. My bad. Oh, j'ai pas risqué les as. Ça c'est une erreur mon ami. Qui va potentiellement te coûter cher. Et tout simplement on va aller Rising Rush. Ici. On va essayer de lui donner le Gohan du coup. On va prendre la strike, on va voir comment ça va se passer. Pas évident, hein, ces deux premières games de cette nouvelle épopée, j'ai envie de te dire, sur Dragon Ball Legends. Non seulement ça lag énormément, mais en plus, le nouveau gameplay, je suis pas à l'aise avec ce nouveau gameplay pour le moment, ce qui est totalement normal, évidemment. Donc ça va demander pas mal de mise à niveau là-dessus. On va aller le tap-attaquer un petit peu. Voilà, ça s'est passé dans le plus grand des calmes. On va switcher sur le... Oh merde, j'ai fail. Ouah, il joue bizarre. Il joue extrêmement bizarre. On va se passer en SSJ. Là, je fail des trucs que je fail pas d'habitude. C'est parce que je suis pas sûr de mes moves. Vu que je suis pas à l'aise avec la nouvelle manière dont c'est présenté. Mais bon. On va quand même faire le max. Bon là, malheureusement, on va prendre Bagdad, forcément. Oh, ça, c'était mal joué, ça. C'était mal joué ça mon ami. On va mettre... What? Mais c'est quoi ce gameplay gros? J'ai l'impression que je joue contre un bot, il recule. Genre il a reculé d'une manière tellement surprenante. Franchement je m'y attendais pas. Bon après pourquoi pas, il Rising Rush mon Gotenks vert, bon. Ah en plus on lui trouve. Du coup là pour lui c'est terminé. C'est arrivé d'Archie pour le bro. Qui malheureusement ne pourra pas faire grand chose. Hein. Là son Gohan va mourir. Quoique on n'arrive pas à lui faire les. Putain, évidemment j'ai pas de strike. Évidemment j'avais pas de strike. Voilà, on va switcher sur le Gogeta. Putain, il meurt pas, c'est un truc de ouf. Ah, il a switché. Je pensais qu'il allait blast. C'est le moment de mettre Végéto. On va utiliser sa capacité principale. Qui va entre autres me heal. Allez. Let's go. Là je peux strike cancel par exemple, tu vois là. Bon, du coup. là il m'a balancé une blast. Donc forcément du coup ça, je suis rentré dedans. Of course, j'ai envie de te dire. Voilà, je sais pas ce qu'il fait. Il a vraiment un gameplay chelou. Je sais vraiment pas ce qu'il fout les gars. Le mec en face, je sais pas ce qu'il fait. Je comprends pas trop. Mais genre, je comprends vraiment pas. Et donc, du coup, le Goku qui tombe. Bon, là, ça passera pas. Il a voulu me faire ce que je vous disais, l'espèce de nouveau mécanisme, là, le tackle. Comme c'est appelé. Hop, et on le termine en tap-attaque.
Alors il faut savoir que les tap attaques ont été aussi nerfées en termes de dommages. C'est peut-être pour ça que tout à l'heure je faisais pas beaucoup de dommages. Parce que les tap attaques ont été nerfées au niveau des dommages. Ça vient de m'en revenir du coup au moment où je suis en train de faire ma seconde game. Les tap attaques ont été nerfées au niveau des dommages. D'où le fait que j'ai pas fait beaucoup de dommages à la game d'avant. Et que je me trouvais ça bizarre. Parce qu'effectivement ça a été nerf. Et ça joue beaucoup. Et ça joue beaucoup. On se fait une dernière game les gars pour voir un petit peu ce que ça donne. Le Végéto globalement je le trouve assez intéressant. C'est une très bonne unité pour un free to play. Et il mérite absolument d'être monté. Après et en plus il est que 2 étoiles. Donc quand il va passer au dessus ça va être encore mieux. Après là, on joue que des teams full méta. Alors que nous on n'est pas vraiment méta là pour le coup. Mais c'est pas grave. Alors qui on va prendre? Qui on va prendre dans cette situation? Le Gotenks vert ça n'a pas été foufou non plus. On va peut-être se prendre le Gotenks violet. Allez, on va peut-être prendre comme ça. On va peut-être partir comme ça, on va voir ce que ça donne. Vraiment vivement qu'il y ait le Végéto SIJ et que je puisse avoir la chance de le dropper. Parce que là, vraiment à l'intérieur de la team, il se fitterait extrêmement bien. Il n'y a pas à dire. The Tomiz. Bien écoute, j'espère que The Tomiz ne sera pas trop méchant avec nous. Les deux premières games sont plutôt bien passées. Malgré des conditions assez compliquées de game, de jeu. Mais non, on n'est pas à l'abri là de prendre un revers de la médaille avec ce nouveau gameplay qui n'est pas simple à prendre en main. Je vous rappelle que quand on revient en arrière et qu'on recule comme ça, eh bien au lieu justement de récupérer sa jauge de TP, eh bien ça va se ralentir au contraire et même baisser. Ce qui fait que tu ne pourras pas faire comme avant où tu attendais fond de map ou des mecs qui attendaient fond de map pour pouvoir récupérer leur esquive. Ça ne marchera tout simplement plus. T'as vu là, il a fait le tackle. Ok, c'est passé, nice. C'est passé. Ah, ça va switcher, c'était sûr. Il a fait le tackle, je pense que le mec s'y attendait pas. Ouah, non. Toutes mes games ont lagué, les gars, regardez ça. Regardez ça, c'est... Ah, c'est vraiment injouable. C'est vraiment injouable. On va essayer de faire le max quand même, mais... Je pense vraiment que ça vient des serveurs. Quoique, j'en suis même plus sûr, globalement. Oh là là, putain. Lui, j'ai pas l'impression qu'il y ait des problèmes de lag pour le coup. Par contre, on va lui donner le Gotenks. Hein. On va lui donner le Gotenks. C'est clairement l'unité qu'on veut perdre le plus par rapport aux autres. Clairement, c'est lui qu'on veut perdre. Oula, tu charges comme ça, toi? Voilà, il va nous mettre le Goku. Certainement. On va. Putain, il a plus Blast Cancel. Il a plus Blast Cancel. Là, ça va être chaud. Il va falloir qu'on se heal, à moins qu'il nous Rising Rush. Putain, c'est quoi ça? Oh non! La torpeur, gros! Triple torpeur, gros! C'est une blague! Ah non, c'est grave les torpeurs qu'on se tape. Je vais me l'enlever le malus d'état. Hop, tant pis, on Rising Rush. Je commence à en avoir marre de ces conneries. Oh putain, j'ai 4 blasts dans la main. On joue de malchance de ouf sur la game, les gars. Mais que veux-tu, c'est comme ça. Heureusement, il n'a pas trouvé le Rising Rush. Putain, les torpeurs, elles m'ont mis tellement au fond. Incroyable. Ah ouais, faut pas oublier que lui il a un Rising Rush, donc il va falloir faire très attention. Et essayer de l'esquiver. Au plus que possible. Non, j'ai pas l'impression qu'il veuille... What? Voilà les gars, honnêtement, je ne comprends pas les mecs contre qui jouent. J'ai l'impression qu'on est dans une autre galaxie. J'ai jamais vu des mecs reculer comme ça. Vraiment, les gameplays là, je m'y fais pas à mes adversaires. Mais c'est pas grave puisqu'on a perdu finalement l'unité qu'on voulait perdre. C'est-à-dire le Gotenks, forme de base. C'est celui qui nous intéressait le moins de garder in-game. Là par contre ça va être esquive direct, tu m'as fait un tackle mais ça passera pas. Bon malheureusement on est avec une unité blast, on se retrouve avec 4 strikes. Voilà, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Mais ça nous arrange absolument pas. Putain là malheureusement j'ai pas de... Oh putain. Allez, on va mettre en... J'ai pu esquiver. Pourquoi pas? Là, on va lui niquer 2 cartes. En plus, on est sur le bon type.
Regardez à quel point j'ai récupéré vite mon... Regardez à quel point j'ai vite récupéré mon ki, hein, avec la régène de ki du végétaux. Assez insane. Là, je m'en fous. Je pouvais taper dans le vent. En tous les cas, Son Goku va mourir. Bon, il va buffer son Goku GT, certes, mais bon. Ok, c'est passé. C'est passé. Allez, on y va, on lui met l'attaque à 50. Je sais pas si ça suffira. Je pense que ça suffira pour faire les dommages et qu'on va le down avec ça. Ah non, 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 ça va pas suffi. Ça va pas suffi. Après, globalement, là, on a encore... Il a lâché son TP. Donc on peut faire ça. Ah, le strike cancel passe pas. J'ai essayé de strike cancel là, les gars, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et là, malheureusement, à part des blasts, j'ai rien d'autre à balancer. C'est passé, heureusement. Là, le strike cancel, j'étais peut-être trop loin. Trop près, pardon. C'est pas évident. C'est pas évident, cette game a été compliquée. Mais on a quand même réussi à la remporter, mine de rien. Donc je suis plutôt content. Concernant le végétaux, encore une fois, c'est une unité solide. Globalement, je sais pas où est-ce que je la classerai encore. Ça demanderait quand même beaucoup plus de game pour me donner un avis final sur cette unité-là, surtout avec le nouveau gameplay. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Certainement, les vidéos en vocation sur le nouveau portail qui devrait pas tarder à sortir. Et sur tout un tas d'autres choses sur le jeu. Sur ce, je te fais des bisous. Je te souhaite une belle et agréable journée ou soirée. Biscuits love peace. Et ciao!